mesdames et messieurs. Un virus s'est répandu dans le monde, réveillant les morts et leur donnant des envies de chair fraîche. Oh ! Hommes, femmes, enfants, tous n'ont qu'une envie. Vous courez après pour vous dévorer la cervelle. Oh, oui, ta cervelle, ils en ont envie. Mais tu fais partie des survivants. Et avec tes amis, tu as monté un petit groupe pour vous en sortir. Quel est le sujet de Of the Dead? Un jeu qui vous propose de vous mettre dans la peau de gens qui n'auraient pas succombé à ce virus. Seulement, voilà, vous n'êtes plus très nombreux et les morts sont à vos trousses pour vous bouffer la cervelle. Pour vous bouffer la cervelle. Pour toi bouffer la cervelle. Dans Of the Dead, vous avez essentiellement des cartes sur lesquelles vous allez avoir des zombies et des armes à récupérer et des dés à lancer. Donc Of the Dead vous propose plusieurs choses. D'abord, la gestion de vos points de vie, puisque c'est important de rester en vie, donc vous avez un capital de points de vie qui va réduire au fur et à mesure des coups que vous prenez dans la gueule. Va falloir coopérer avec vos camarades, puisque vous allez récupérer des objets, eux aussi vont récupérer des objets, et puis il faudra se les passer comme ça, de manière plus ou moins adroite. Et ces objets, pour pouvoir les récupérer, vous allez devoir faire appel à votre mémoire, à votre mémoire. Il va falloir que tu fasses appel à ta mémoire, puisque vous avez une espèce de genre de memory avec des objets planqués qu'il va falloir les retenir. Vêtements et notes. Non ? T'es dans ton couloir, comme ça, et les zombies arrivent vers toi, et quand ils sont à ton contact, tu dois jeter un dé pour faire plus que leur point de vie pour les tuer, et t'additionnes donc ta force, celle des objets que tu as avec toi, et le score de ton dé. Donc dans Of the Dead, il y a des dés. Si tu aimes les jeux avec un peu de hasard, un peu de chance, Of the Dead est fait pour toi. Mais si toi aussi tu aimes les films de Romero, ceux avec les monstres et les morts vivants qui se réveillent pour aller te sucer la cervelle, Of the Dead est fait pour toi. C'est un jeu à l'américaine avec un thème fort, extrêmement présent. Quoi de plus fort qu'un thème avec des zombies à l'intérieur? Avec des zombies à l'intérieur. Derrière toi, Nod! T'as eu peur! Oh, il a eu peur! Ah, elle est bonne celle-là. Nod, il a eu peur. J'ai fait comme ça, là. J'étais comme ça, mais j'ai fait. Hey, Nod! Surtout que l'idée, c'est de rester. Tu sais, tu restes 2 secondes, comme ça, tu fais. Ah, et là, le mec, il a peur.